Anonyme. 100% moto. Moi, ça, j'aime bien, ça, regarde. Ça, j'aime bien, moi, ça, j'aime bien ça. J'adore ça. Ouais. Ouais, ouais, moi aussi, j'adore. Ouais, bah, c'est un plat. C'était le bus, avoir une voiture. Bam, bam. Je savais. Oula. Oula, Jean-Jean, attends, il a mis sa cape 2 euros, mon vieux, il va y aller. Aïe. Il a levé son bras. Ou quoi, t'as vu ce que tu vas faire? Mais t'as pas fait attention. Ah bah. T'étais même pas en ton sens de circuit. Ah bah ouais, mon gars, il a failli vous faucher. Tu m'étonnes. Quoi? Ouais. Mais j'en ai rien à foutre, putain, t'es en train de trop sens. Oui, mais bah, oui, enfin, doucement, mon Jean-Jean. Va pas nous faire une crise cardiaque quand même, hein. Voilà, doucement, hein. Va pas nous faire une rupture d'anévrisme, là. Voilà, c'est vrai que... C'est trop des mecs nerveux. Ouais, des fois, c'est des mecs nerveux. Mais après, il a raison, tu vois ce que je veux dire. Il a failli se faire faucher, tu vois. C'est quoi? Mais voilà. Doucement, Jean-Jean, mais va pas faire une crise cardiaque, mais tais-toi, Jean-Jean. Putain, tu te rends compte que tu pourrais y passer, mon vieux? C'est dangereux. Des fois, c'est vrai qu'après, quand t'as caméra sur la tête, tu peux te sentir pousser des ailes un petit peu, tu vois. Ça peut arriver aussi. Mais c'est vrai qu'il a failli se faire faucher quand même. Tu vois, c'est chaud. T'as vu? Moi, ça, j'aime bien, moi, Sofiane. Ouais, ouais, moi aussi. Moi, j'aime bien. Moi, j'aurais tapé mon rétro comme ça, je te gâche pas, je serais descendu de la voiture, je l'aurais démarré. Oh. T'aurais d'abord allumé ta GoPro quand même, tu vois. Et bonsoir tout le monde, bienvenue, comment allez-vous? Aujourd'hui, petite vidéo avec Sofiane. On s'est dit, tiens, on avait envie de regarder des clashs voiture vs moto. Vous savez que les motards ne sont pas toujours en accord avec les automobilistes. Ça donne souvent lieu à des clashs. Et franchement, ça donne souvent lieu aussi à des situations plutôt cocasses, Sofiane. Hein, vous oubliez pas, vous me faites péter le petit like sur la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et de me rejoindre sur ma deuxième chaîne qui se trouve dans la description. Mais avant ça, ce matin, le facteur a frappé à ma porte. Il frappe, toc toc toc, bonjour, c'est vous monsieur Jolotte? Oui, j'ai un colis pour vous. Un colis? Mais c'est pas possible. Et devinez qui c'était? Eh bah ben, c'était mes potes Doji, Sofiane. Je te jure, ils m'ont envoyé un téléphone S95 Pro. Alors vous allez me dire, mais ouais, mais Jolotte, t'avais pas déjà présenté un Doji S95 Pro sur ta chaîne? Si, c'est vrai, ouais. Mais je l'avais donné à Nasco pour Noël, parce qu'il voulait un Doji S95 Pro aussi. Dis allô papa avec ton Doji. Dis, allô chou papa. Caméra bien sûr, 48 millions de pixels à l'arrière, Sofiane, tu te rends compte? Ça aurait été 40, j'aurais pas dit, mais 48 là c'est incroyable. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Bien sûr, trois objectifs derrière, on a le grand angle, l'ultra grand angle et l'ultra ultra grand angle, mon vieux, c'est un truc de ouf. Objectif à l'avant de 16 millions de pixels, diagonale de l'écran 6,3 pouces, téléphone incassable, très belle résolution de l'écran, très belle couleur de l'écran, vraiment merci Doji, hein, ça me fait super plaisir. 128 gigas de mémoire interne, Sofiane, et 8 gigas de RAM, tu te rends compte? Et je pourrais presque faire des vidéos de scrap mécanique sur le portable, mon vieux, il tiendrait le choc. Et d'ailleurs les abonnés, si vous voulez encore plus d'informations sur le portable, n'hésitez pas à aller dans la chaîne secondaire où il y a une vidéo sur le téléphone portable qui a été très bien. Mais il a tout résumé, mais il est très bon ce Sofiane, hein. Rendez-vous dans la description, vous avez le lien du téléphone portable, les mecs. Oh putain, Sofiane, oh il est parti mon gars. Il est parti, petite 50 et tout là, il se met bien mon gars. Je sais pas si c'est une 50, 125. Oh vu le bruit, c'est une 50 ça. En plus elle est homologuée mon gars. Oh pop. Et alors? Et alors ma zézette? Regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais mais va pas casser ta moto, tranquille. Vous aurez trop aimé moi, carton avec ma voiture comme ça. Ouais. Regardez, putain, il y en a des coins-coins, mon vieux, dans la vidéo. Donc, voyez, on a le nom des chaînes en bas à gauche et tout. Ah ouais, normal et tout, tranquille, il décharge les courses au milieu de la route. Tout va bien, quoi. Ah ouais, non, mais en même temps, gros, c'est pareil, je veux dire... Voilà, t'arrives, tu t'arrêtes, t'as une caméra sur la tête, machin nana, tu me filmes et tout. Voilà quoi, tu vois, tranquille, tu vas faire les vues sur Facebook, machin, tu vas être partagé de partout. C'est chaud quand même, tu vois. C'est comme si toi tu faisais une petite faute, tu vois. Ça peut arriver, tu vois. Il y a quelqu'un qui arrive, il s'arrête, gros, il te filme avec sa caméra et tout, machin nana. Et puis tu sais, en plus, il en rajoute, il fait un sketch par-dessus pour que... Tu vois. Franchement, moi, j'aurais été devant chez moi comme ça, j'aurais dû te faire enculer, qu'est-ce que tu me veux? Après, voilà, je veux dire, c'est pareil, hein. L'autre, il s'arrête au milieu de la route. Ouais, yo. Oh là là. Ça fait peur, quoi. Ouais. Ça... Alors, gros, par contre, tu te mets pas sur la voie de gauche? Bah oui, s'il te plaît. Y'a quoi? Bah, t'es sur la voie de gauche, tout simplement. T'es à la voie de gauche. Ouais.
Voilà. Tiens, il freine limite sur la voie de gauche, le motard. S'il te plaît, mec. Ah bah oui, tu peux pas faire ça. C'est quoi le problème? Après, regarde, il va faire le Zorro. Ouais, c'est bah sûrement. Ah bah ouais, gros. Ouais gros, il a raison l'automobiliste, il a raison gros. Eh ouais, il fait des zigzags sur la route, voie gauche, voie droite, il attend ses potes derrière, tu vois. Pas la même. Ah ouais. Et là je suis sûr gros, il fait le show parce que il doit avoir ses potes. Bah tiens, et là ses potes à côté. Ouais. Normal. Franchement, tu vois, autant là les deux premières, ouais quand même, tu vois, je veux dire les motards ils avaient raison, celle-ci Voilà, oula mon gars. Oh putain. Oh lui il est parti, il a pas le temps lui. Lui il est... Ouais. Bah, par contre doucement Jean-Jean, c'est pas limité à 140 en abord de périphérique. Jean-Jean doucement, tu vas te prendre un mur. Ralentis. Bah ouais. Ralentis mon Jean-Jean. C'est pas limité à 390. Un simple désolé aurait suffi. C'est sa faute, c'est sa faute. Gros, sa faute. Gros, tu peux pas arriver dans le virage à 150 comme ça, c'est... Non. C'est, ça doit être limité à 50. Ouais, c'est aglos, ils sont à 50. Hein. Jean-Jean, il arrive à 390 en abord de périphérique. Et en plus, il se plaint, tu sais. Ouais, tu m'as coupé la route. T'avais plus quelque chose, toi? Gros, s'il te plaît. Tu regardes pas, tu brûles le stop et en plus, il me dit de regarder. Mais Jean-Jean, allô Jean-Jean, t'es arrivé à 390 dans le virage. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, gros. Bien sûr, les mecs, je vous mettrai la vidéo originale dans la description. Si vous voulez bien tout écouter, machin nana et tout. Quand on est con, on est con. Un mètre ou deux mètres. Iggy, c'est quoi ça? Ouais, ouais, gros, non, mais attends, en même temps, la bagnole derrière, je veux dire, le petit klaxon, qu'est-ce que tu veux qu'il avance, le motard, gros? Il va pas rouler sur le trottoir. Tu vois? Voilà. Ça c'est les gens pressés ça. Bah ouais non mais là, là par contre il a raison Jean-Jean mon gars. Jean-Jean sur sa moto il a raison. Ouais il a raison Gilou. Bah Gilou. Problème, ce gars. Je vais avancer de 1 mètre. Non mais c'est clair quoi. Mec sérieusement là. Ah oui hein. Vas-y Jean-Jean. Jean-Jean t'as une caméra sur la tête. Vas-y t'inquiète tu peux le défoncer. T'as une caméra sur la tête. Putain de fils de pute. Ah moi j'aime bien t'as vu y a tout. Ça change toujours, t'as vu, quand t'as une caméra sur la tête. Ouais, c'est vrai, ouais, ça change tout, ouais. Tout c'est pas qu'une caméra, c'est aussi une couille. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, sauf qu'il s'est retourné, il a vu 5 gars dans la bagnole, il a fait... Ok, j'avance. Doucement, Jean-Jean. Y'a un Dodan. Mais t'es taré. Là, il doit pas être à beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Regarde-le, lui. Mais qu'est-ce qu'il fout? Bah, ils ont du carton. Et puis en plus il dit t'as de la place pour passer à côté gros. Non mais n'importe quoi. Mais grave. Bah ouais il s'est mis au milieu. Mais alors il est en contresens, il se met à droite. Bah grave. Mais alors il se met au moins à droite. Voilà, ouais, regarde, c'est pas méchant là. Ouais gros ça va il avait qu'à... Hey, il y avait le temps de passer un smirmorque. Franchement, c'est bon. Ouais, encore, bah, c'est un semi, ouais. Ouais. Mais là, c'est pas c'est méchant. Pas méchant. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? What? What? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a, what? Parce que, en fait, les conducteurs de devant m'ont craché dessus. On le voit pas très bien dans la vidéo. Les bâtards. Mais en fait, en gros, ils m'ont craché dessus. Les deux, le chauffeur et le côté passager, enfin le passager, m'ont craché dessus. C'est pour ça que j'ai fait une réaction un peu bizarre. J'ai vu en tout cas que les deux ils ont craché, mais j'ai pas vu s'ils m'ont craché dessus. Pardon. Ah bah, gros, c'était pour toi. C'était pour toi. Si tu craches par la fenêtre, tu sais qu'il y a la bécane derrière. Malade, moi, j'aime bien, c'est le faire sur l'autoroute. Tu sais, quand t'es à 140, tu craches un gros molard derrière toi quand il y en a un qui respecte pas les distances de sécurité. Et gros, tu te prends un molard à 140, c'est comme si tu te prenais une bille sur le pare-choc. C'est pareil, hein. T'entends la musique derrière. Là, par contre, c'est la bagnole, gros, hein. Là c'est la bagnole, on est d'accord, hein. Franchement, il a eu un... Franchement, quand même, il y a des montards, ils ont... Ouais. Attends, regarde comment ils s'engagent. Ouais, déjà, oui. Déjà, ouais, c'est la bagnole, hein, tu vois. Mais il est con ou quoi? Ah ouais, non, mais grave. Des fois, la vie, ça tient qu'à un fil à cause des couillons comme ça qui peuvent couper la route ou quoi, machin, nana. Pff.
Et moi, gros, ça m'est déjà arrivé en bagnole, hein. En bagnole, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un soit carrément sur ma file, mon gars. Regardez, hein. Portable à la main et tout. Vous êtes sorti du truc en un coup. Il faut regarder, monsieur. Eh oui, hein. Ça va, il a été gentil. Ouais, il a été gentil. Oh là. Oh, mais gros. Mais gros. Attends, paf le rétro. Si, si. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui, avec la bégane? Il a tapé le rétro. Ouais, ouais, il a tapé le rétro. Normal. Franchement, moi, je l'écrase. Mais moi, je l'écrase, gros. Je l'écrase. Ah, la bagnole, elle avait peut-être pas le clignotant aussi, tu vois. Mais en tout cas, le motard, il a pas de clignotant non plus, tu vois. Après, peut-être on le voit pas ou quoi. Après, mais... le gars en cross, il s'est engagé vachement tard aussi. Ouais. Quand même, hein. Tu vois. Ouais, maintenant, il va faire le nerveux. Ouais, il va faire le nerveux. Jean-Jean, là. Ouais, Jean-Jean, il fait le nerveux. Ouais. Déjà, toujours, un Jean-Jean en moto, il analyse d'abord qui y a dans la voiture, tu vois. Voilà. Ouais, s'il y a 5 armoires à glace dans la voiture, ses couilles ils vont fondre. Par contre, si c'est un vieux, il y va, Jean-Jean. Il allume sa GoPro et puis il y va, mon gars. Non, c'est bon, il y a les potes à Jean-Jean. Ça va. C'est bon, il y a ses potes. Il toute seule avec son gamin. Ouais, ouais, voilà. Oh, ouais, attention. Il va y insulter ses grands morts. Mais il est malade, lui, Jean-Jean. T'as quand même, en vrai, c'est une méchante mouille, il a rien fait, hein. Grave. Putain, t'as un casque de moto, mais il y a un coup de casque. Je sais pas comment tu... Putain, mon gars. J'y aurais foutu un putain de gros coup de casque dans sa gueule. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Le mec dans son rétro, il m'a fait comme ça. Ah ouais? LOL. Arrêter, y'a pas de problème. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Jean, il est chaud. Surtout qu'il s'arrêtait pas pour lui en fait, il allait juste au magasin. Voilà, je pense. Ouais, ouais, il s'en battait les couilles de lui. Ouais, ouais. Non, non, gros, il s'en bat les couilles. Putain, c'est vraiment une tafiole. Attends, Jean-Jean, il est chaud, moi. Il est chaud. Excusez-moi, monsieur. Hein? C'était à moi que vous faisiez les signes? Pardon? C'était à moi que vous faisiez les signes dans le rétro? Ouais, vous aviez pas l'éclairage. Ah, ouais, mais ça fait pas nuit. Non, non, l'éclairage. On voit pas, hein. Eh ouais, mon gars, faut les mettre, ça fait pas nuit, tout le monde a ses phares d'allumé, tu sais, le magasin il a ses lumières d'allumé, ouais. La bagnole derrière elle a ses phares. Vous l'aviez pas mis. En même temps, ça fait pas nuit. Mais gros, mais ferme ta gueule, bien sûr que ça fait nuit. Mets ton éclairage, c'est tout. Voilà, putain, je te jure, ça me saoule, moi, franchement. Ça fait jour. Les moteurs. Ça fait jour, regarde, gros, tout le monde a ses phares. Moi, c'est surtout pour vous, hein, parce que vous allez vous faire. Ben oui. De pas vous voir et vous renverser. Ouais, non, mais je sais pas. Vous avez déboulé devant moi, vous avez déboulé devant moi, j'ai gueulé. Vous m'avez fait ça dans le rétro. Mais ça, c'est pour les. Eh ouais, mon gars. Comment vous dire? Bah ouais, les rétros. L'éclairage. Les feux. Putain, j'ai remarqué, t'as vu ou pas juste avant? Il lui a dit ta fiole va. Maintenant, on l'a plus entendu parler, t'as vu? Ouais, bah ouais, il a raison, mon grand, il a raison. Eh oui. On l'entend moins. On l'entend moins, ta grande gueule. Non, mais il a raison. Cette vidéo, elle était mitigée, Sofiane. J'étais mitigé. Ouais. Ah, autant, il y avait des motards, franchement, ils avaient grave raison. Autant, il y a des automobilistes, ils avaient grave raison. Et on finit sur une vidéo où l'automobiliste, il avait grave raison. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu circules gros. Mais il avait quand même pas allé couper la route, même s'il avait... Ouais, il avait pas coupé la route, mais bon, tu circules en bécane, que ce soit en bécane, en voiture, tu dois avoir tes éclairages. Tes éclairages, comme il a fait, voilà, mon gars. Eh ouais, normal. Écoutez les mecs, la vidéo va se finir ici. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas, hein. Merci Dodgy, franchement, pour le portable. Vous êtes le sang de la veine. Hein. J'en ai un pour Nasco. Allo Nasco, j'arrive, mon chat. Vous avez le lien du Dodgy S95 Pro dans la description, les mecs. Et puis, comme d'hab, toujours le petit lien G2A pour acheter vos jeux moins chers. Les promos sont là-bas. Les meilleures promos sont là-bas. Nous, on vous dit à bientôt pour de prochaines aventures avec Sofiane. Ciao tout le monde, bye! Salut bye Sofiane! Bye bye! Au revoir!